Je dois dire que le comportement des pygmées ces derniers jours a jeté la suspicion sur la thèse de Hockinleck et McBride. Il est devenu d'autant plus urgent de vérifier l'exactitude de leurs conclusions. Je ne veux pas renvoyer tous ces anthropologues d'où ils viennent. Ce sont d'éminents professeurs. Ils ont payé le prix fort. Elle n'a qu'à le faire, elle. C'est elle, l'impresario, qui propose les services de nos artistes de cirque africains. Elle n'a qu'à dire que les contrats n'ont pas de valeur. Elle n'a qu'à inventer. Écoutez, j'interdis toute visite, tout examen qui ne ferait qu'affaiblir les pygmées davantage. Ils n'ont besoin que d'un médecin. Je resterai auprès d'eux. D'accord. Supposons, non sans réticence, que vous êtes capable de leur faire recouvrer la santé. Et après ? Mesdames et messieurs, préparez-vous à découvrir pour la première fois en Europe le véritable et terrifiant mode de vie des sauvages dans la jungle d'Afrique. Nicolas, fais le feu. Toto, va à la chasse. Nicolas, du feu encore. Toco, chasse encore. À quoi joue-t-il, bon sang? Restez calme, ne les effrayez pas. Ne les effrayez pas. Nicolas. Elle sait s'en servir? Oui. Mon Dieu, oui, elle sait. Ne criez pas, restez calme. Il faut intervenir, vite. Arrêtez, ne criez pas. C'est intolérable! C'est un outrage! La ferme! La ferme! La ferme! Allons-nous-en d'ici.